What number is that? Six? So we got enough today, we're just going out of order, whatever comes up. Yeah, cool. Right now. Cool. Come up with a sequence. I like it. Aujourd'hui, la constellation du libre-esprit. Enfin, merci d'être là, fidèle au poste, pour que nous abordions ce soir la suite de cette histoire de l'hédonisme. Nous avons laissé les gnostiques derrière nous, d'une certaine manière. Je vous avais dit que l'histoire de la philosophie n'était pas soucieuse des gnostiques, même s'ils n'étaient pas licencieux à proprement parler. Il se fait qu'ils ne sont pas plus soucieux, les officiels de l'histoire de la philosophie, de ce qui suit le gnosticisme, qu'on appelle les frères et sœurs du libre-esprit, enfin ceux dont on a dit qu'ils étaient frères et sœurs du libre-esprit, ce courant qui, dans le Moyen-Âge, permet d'illustrer la tradition hédoniste. Je voudrais vous faire un petit bilan de ce qu'est le Moyen-Âge, à quoi il ressemble d'une certaine manière, vous proposer mon Moyen-Âge, puisque nous sommes dans cette période, elle est austère philosophiquement pour la tradition philosophique, mais aussi pour la tradition hédoniste. C'est difficile d'aller chercher ces philosophes-là, de les penser, de les travailler, de les lire, de découvrir les intérêts qui sont les leurs, pour des raisons multiples, on verra lesquelles au cours de cet exposé. Mais il faut voir aussi à quoi ressemble le Moyen-Âge, il faut toujours contextualiser à l'évidence et ne pas considérer qu'un texte fonctionne en l'air, et qu'on pourrait lire ce texte aujourd'hui comme si on était des contemporains du 6e, 7e, 8e siècle après Jésus-Christ. À l'évidence, les concepts et les catégories se sont modifiés. Ce qui marque cette époque-là, c'est la naissance de l'islam, à l'évidence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire l'économie dans ces régions où le gnosticisme existe, c'est-à-dire l'Égypte, ces endroits de désert. On ne peut pas faire l'économie de la naissance de l'islam, qui est une religion, qui est une pensée, qui est une occasion aussi de montrer des idées à l'œuvre et en acte. On se retrouve à ce moment-là au 7e siècle après Jésus-Christ, et quand Mahomet quitte la Mecque où il est persécuté, et on parle de la fuite, et on parle donc de l'égir, on considère que, pour les musulmans, qu'une rupture se fait là, et on commence à compter comme les chrétiens comptent à partir de la naissance de Jésus-Christ, donc il y a une rupture qui se fait en Orient. Mais
Congratulations. Calibration completed.